Après des descentes de terrain ayant abouti à la saisie de plusieurs produits pharmaceutiques et cosmétiques ne répondant pas aux normes exigées en provenance de l'Afrique de l'Ouest, les agents de la douane gabonaise, notamment ceux du bureau central du port Mol de Libreville, ont lancé ce samedi une opération de destruction. Nous nous retrouvons aujourd'hui ici sur ce site pour procéder à la destruction de ces produits. Mais pour le faire, nous avons effectivement eu le quitus du tribunal de première instance qui a rendu une ordonnance dans ce sens. Une opération de destruction rendue possible avec l'apport de l'agence du médicament pour un réel suivi sur le terrain, des mesures sont en vue. Les médicaments habituellement proviennent de l'Union européenne. Alors dès que nous avons des médicaments qui reviennent de la sous-région et qui ne passent pas par les canaux légaux, nous nous interrogeons et nous saisissons la marchandise. D'abord à des fins de vérification et puis ça a donné ce que vous avez vu. Nous avons la chance de travailler avec l'agence du médicament et à cet effet on nous a remis une liste de produits prohibés qui ne doivent pas se retrouver sur le marché local. L'administration des douanes qui a pour mission fondamentale d'assurer la protection du consommateur entend clôturer la mission de ce samedi par des procès-verbaux de destruction. L'objectif étant d'informer au mieux la hiérarchie sur ce qui a été fait dans les détails.